Les fans ont l'œil aiguisé. Lors de la compétition de Royal Ascot qui s'est déroulée du 20 au 25 juin 2023, comme traditionnellement à la fin du printemps, la famille royale était pratiquement au complet pour célébrer les chevaux et leurs jockeys. Ceux qui suivent avec attention les déplacements de Charles, Camilla ainsi que William et sa famille ont remarqué à quel point ils avaient bon goût pour ce qui est de leur personnel. Comme le relève le Daily Mail, leurs écuyers ont encore fait fureur cette semaine. Rob Dixon, l'écuyer de la famille du prince William et Jonathan Thompson, celui de Charles III, ont été photographiés en train de discuter, en haut de forme et costume trois pièces, déchaînant les passions des internautes et de la presse. Très chic et séduisant, les deux hommes qui volent la vedette à leur patron à chaque sortie, ont été photographiés en rafale. Une délicate attention de la part des photographes officiels comme le souligne cette tweeto, merci au merveilleux, photographe, Chris Jackson qui comprend les besoins du public a-t-elle écrit, ravi des clichés. Alerte Rob Dixon. A écrit une autre, visiblement très excitée. Kate Middleton et Sophie d'Edimbourg complices, Camilla choquée. Les plus belles photos de Royal Ascot Oli Plunkett, l'écuyer de Camilla qui vient rivaliser avec ses collègues le dernier arrivé dans le tiercé de tête des écuyers est le capitaine Olivier Plunkett. Absent sur ses clichés à Ascot, il est l'écuyer de la reine consort Camilla. En quelques heures, au concert de Noël de décembre 2022, le jeune homme est monté sur le podium. Oli Plunkett est d'ailleurs célibataire, a fait savoir le Daily Mail. Né en 1994, ce dernier appartient à une ancienne lignée irlandaise, rapporte Point de Vue. Son père, Pierce Plunkett, a fait carrière dans la compagnie d'assurance Lycett, en qualité de spécialiste mondial des purs sangs et des chevaux de polo. L'écuyer de la reine, comme de nombreuses personnes au service de la couronne, fait partie de la même famille qu'un ex-serviteur d'honneur d'Elisabeth II ainsi que d'autres hommes ayant côtoyé la royauté. Oli Plunkett est par ailleurs major du Rifle Corps, le régiment de fusiliers dont l'épouse du roi est devenue la colonel en chef en 2020. Les trois hommes ont en tout cas désormais une grande fanbase. Crédit Photo, Agence. But there's all times through the rough times I